Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur Viking Conquest et aujourd'hui on va s'attaquer à l'infâme Sven qui nous avait attaqué lors du premier épisode de cette série. C'est parti. Alors sur les bords de la rivière vous distinguez un fort viking. Vous distinguez quelques guerriers, vous ne pouvez pas les compter. Il y aurait quelques douzaines. Au milieu du fort, vous voyez des prisonniers préparés pour la vente. Est-ce que votre maman pourrait être parmi eux? Demandez un meeting avec le leader, faire une attaque surprise, assaut total. Je veux pouvoir libérer les prisonniers par surprise, on va faire une attaque surprise. Je doute que Sven veuille négocier avec moi. Allez, on y va. Allez, fier garçon. Fais-moi des têtes. J'attaque mes hommes. Attention, attention. Petite tête. Toujours marrant, les têtes sont coupées par un coup de haut en bas. Oh, je le sens bien, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je suis en train de les éviscérer. Je crois pas que j'ai eu trop de pertes pour l'instant. Bravo les gars. Excellent. Victoire. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu que 3 hommes, ça c'est bien. Non, on a perdu 4 hommes, d'accord. On a tué quand même 14 vikings. 15. Après une bataille difficile, vos hommes ont défait les vikings protégeant le repère. On trouve 3 prisonniers, 2 femmes et 1 homme. Ah, les femmes vous sont inconnues, dommage. L'homme est Bodo, le Cantabrien avec qui vous avez travaillé sur le Wodenric. Il vous rejoint. Alors, il va vous raconter ce qui s'est passé après que Svelbunek a attaqué le Wodenric. D'abord, il faut décider de quoi faire avec la cachette de Sven. C'est un bon endroit. On va ordonner à nos hommes de le nettoyer pendant que je parle à Bodo. Ou alors, je peux le détruire et... le piller et le détruire. Mais moi, j'ai pas envie de m'établir au Danemark, j'ai envie de m'établir sur l'Angleterre, donc j'ai pas trop envie d'en faire mon repère. Et je pourrais plutôt le piller et récolter l'argent. On va faire ça. Je sais pas si c'est un bon choix, mais je vais faire ça. C'est ça que je sens, c'est ça que j'ai envie de faire. 3000 pennings, 13 de renom, 200 expérience, 10 de morale, ok. Je devrais être mort, mais je vis toujours. Ça pourrait être pareil pour d'autres. Quand les vikings ont attaqué, j'ai attrapé mon épée, mon bouclier. Ok, du blabla. Il raconte la bataille. Tout le monde s'est fait abattre, le capitaine, les marins, les archers. Et je me suis réveillé dans un bateau viking attaché aux mains et aux pieds. J'étais prisonnier. D'accord, mais est-ce qu'un autre a survécu à l'attaque? Je ne vous ai pas tout dit.
J'ai besoin que vous restiez calme et m'écoutiez attentivement. Oh là, je sens le pire pour le pauvre Ulf Quinnixon. Je comprends, mon ami, mais vous devez savoir tout. Allez, crache le morceau, Bodo, là. Il met sa main sur votre épaule et sourit tristement. Sven Bulneck n'est pas arrivé ici par chance. Notre bateau était son but. Et nous avions un traître à bord. Comment ça? C'est ma faute, Ulf Koenigsson. J'étais la cible de Sven Bulneck. D'accord. Attendez, c'était lui le traître? Je comprends plus. Je vais lui demander, c'est peut-être con, mais j'ai pas compris. Effectivement, j'avais rien compris. Bon. Oui, non, c'est ça, effectivement. Mais je comprenais plus pourquoi je pouvais. Ah, les salauds, ils ont mis ça en première option pour me tromper. Alors, j'ai été stupide, j'ai cru que le Woodenrick était sûr. J'ai été trahi par son capitaine, voilà. Alors, pourquoi étiez-vous son but? Quelque chose de terrible avant que les Vikings mènent l'assaut. Quelque chose que je regrette. Qu'avez-vous fait? I gave it to your mother. Je l'ai donné à votre mère. Vous devriez savoir que ça a sauvé sa vie. Parce que les Vikings ont pensé qu'elle était mon maître. Comprenez-vous? C'était pour cet objet. Elle serait probablement morte maintenant. La maladie de votre mère a aidé aussi parce que les Vikings pensent que cette maladie est un toucher des dieux. Là, alors Sven a pris votre mère au nord avec lui et m'a laissé ici à livrer à mon destin pour être vendu comme esclave. Ok. Qui êtes-vous réellement? Mais oui, qui êtes-vous réellement et pourquoi c'est important? Pourquoi étais-tu si important pour Sven et Sigurd? Pas si important, mais je vais vous dire que je ne suis pas un bête voyageur. J'ai été envoyé par le King d'Asturie. Et j'ai amené un cadeau qui pourrait changer le cours de la guerre. C'est Sigurd, le chef de Sven, qui veut l'objet. Interroger ma mère à propos de lui. Ouh, on doit vite trouver la maman, hein, sinon ça va mal se passer pour elle. On a une mauvaise relation parce que j'avais pas compris trop son histoire, mais oh, ça va remonter tout seul. Ok. Voyons voir un petit peu les notes. D'accord, mais ça me dit pas trop où je dois aller au nord, mais peut-être je dois interroger le Jarl Sigurd de Ragnarsson. D'accord, je sais pas trop, je dois parler, je dois trouver Sven ou Sigurd Snake in the Eye et le réinterroger, je pense que je l'avais déjà rencontré. Bon, alors voyons voir un petit peu, Bodo. Skills, Power Strike, Power Throw pour les javelots ici. Athletic Weapon Master, Trainer, très très bien. Donc c'est un combattant.
pourra aussi entraîner les troupes. Je peux encore faire monter son niveau d'entraînement de 1 tout en gardant l'intelligence de 12. Niveau de l'équipement, il a une lance longue. Il n'est pas très bien équipé. Pourrait peut-être lui donner mon épée. J'espère qu'il va pas se barrer du jour au lendemain parce que ça vaut cher l'épée, hein. Très cher. Alors ceci étant fait, j'ai récupéré un petit peu d'argent, je suis un petit peu tranquille. M'a dit qu'elle était partie vers le nord, je sais pas trop. Enfin que je sais pas trop quoi faire là en fait. On va se balader un petit peu, on va faire quelques combats peut-être. Alors, les compagnons approchent, menés par Brunhilde. Elle a quelque chose à dire. Alors, la cachette des zones était un endroit dangereux, mais nous avons réussi à... Perebodo, Ransom, c'est pas vraiment ça, je crois. Elle a entendu des choses horribles à propos de Sigurd, bien sûr. Le jarl de Kenmer est un homme dur, mais il tremblait devant Sigurd. Il ne dit pas grand-chose, il ne sourit jamais. Ses yeux de serpent vous transpercent, fouillent en vous, s'il lisait vos pensées. J'ai juste une esclave, mais j'ai entendu des choses. Ce serait le plus dangereux des sangs des enfants de Ragnar. Oui, la magnifique Brunhilde a raison, Ulf Konigson. Ce que je sais, Sigurd est le genre d'homme que n'importe qui, dont n'importe qui resterait à l'écart. Malheureusement, il est sur notre passage. Mais Gnar, je ne crois pas que ce soit si mal, si mauvais. Ouais, elle lui dit qu'au moins on sait à quoi s'attendre, contrairement au Jarl de Kenmer qui est un double visage. Brunhilde qui s'en prend à Regina. Peut-être que Regina était trop occupée à boire ou à trahir quelqu'un et s'est pas vraiment renseignée à propos de Sigurd. Ils sont en train de se disputer. Est-ce que je suis avec des adultes ou des enfants? Taisez-vous maintenant. Bodo, que pensez-vous? Ah là là, il faut quand même que je soigne ma réputation avec Brunhilde, hein. C'est ma soigneuse, je pense, faut pas qu'elle parte. Alors nous sommes à la croisée des chemins. Sigurd Snake in the Eye. À ce que nous voulons, et la vie de votre mère est en danger. Nous devrions aller lui parler, même si ça nous coûte nos vies. Il y a un autre moyen, il y a un homme puissant qui déteste Sigurd, le roi Auric Godfredson du Danemark. Où est-ce qu'il le déteste? Ils sont en train de parler de l'inimitié entre Sigurd et son roi Auric. Merde. La chose, the thing, l'assemblée est une réunion des hommes libres où les disputes sont résolues et les décisions politiques sont faites. Je crois que nous devrions avoir la protection et le support du roi Auric. Donnera un avantage quand on parlera à Sigurd. N'allez pas directement à la rencontre de Sigurd Snake in the Eye maintenant. Vous pourrez causer la mort de votre mère, tout à fait. Vous
De plus, il n'y a pas de garantie que le King Auric va nous supporter. Ouh là là, j'ai pas trop compris quels étaient mes choix. Je suis allé couler un bronze dans la forêt, apparemment. Ah là là. Je me fais attaquer, apparemment. Une longue discussion comme ça. L'étrangère crie: vite, retournez au camp, vous êtes en danger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un attaquant hurle: qui êtes-vous, femme? De toute façon, c'est trop tard. Ulf Konigson, le jarl de Kenmer, veut votre tête. Vous avez été fou. Le camp, où est-il? Je sais pas. Je crois qu'il est trop tard. Il faut que je fasse ce combat. Je suis aux deux tiers de ma vie. Faut que j'aille aider la femme là qui m'a averti. Vite, 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 vite. Ah zut, elle s'est fait avoir. Ah tiens. Coupez la tête. Et alors, c'est qui le patron maintenant? J'ai vu des trucs qui partaient par ici. Ah non, c'est bon. Salut beau gosse. Je vous observais depuis un temps. Tout à fait, bien sûr, certainement. Qui êtes-vous et pourquoi m'avez-vous observé? Calmez-vous, calme-toi. Il serait plus sage d'être reconnaissant. Mais permettez-moi de me présenter, mon nom est Solveig Olafsdottir. Je suis une Skjaldmo. Alors blablabla. C'est une vierge qui prend la voix des armes et aussi de la poésie. Je vais vous rejoindre. Vous avez un grand futur. Merci, mais aucune aide n'était nécessaire avec ces hommes, franchement. J'en serais très bien tiré. Oui, j'en suis sûr, ne vous inquiétez pas. Je ne dirai à personne que j'ai dû vous sauver, bien sûr, et tu es tombé au premier coup, tandis que moi je viens de tuer trois hommes tout seul, donc on se calme. Alors voilà, je la recrute, j'ai pas trop le choix. Mais alors arrêtez de m'appeler beau gosse, ce serait pas mal. Bon. J'ai complété la quête. Ah non, ça s'est réduit à ceci. Brunhilde a conseillé que vous alliez en premier voir un ennemi de Jarl Sigurd Ragnarsson, le roi Auric Godfredsson. Crois que j'ai pas trop le choix, c'est ça qu'il faut que je fasse. On va faire ça. En plus, ça fera plaisir à Brunhilde et ma relation avec elle n'est pas terrible pour le moment. Donc le roi du Danemark devrait se trouver du côté de Ribe. C'est le seigneur de Ribe, évidemment. Très bien, on va aller lui parler. Faut pas que j'oublie d'aller voir la femme là, qu'est-ce qu'elle a comme compétence, tiens. J'ai rien à échanger.
apparemment, il n'est pas là. Donc il doit se balader quelque part, c'est pas grave, on va le trouver. Alors, est-ce que c'est une ferme ou un petit village? Pas que j'oublie que j'ai toujours le chien à... On peut pas lui demander si... Il a vu des chiens errants, bon. C'est plutôt un fort. Et le roi y est. Et avec beaucoup de ces jarls, ils tiennent peut-être une réunion, je sais pas. Et voilà. La plupart des jarls du Danemark sont réunis ici. Peut-être qu'ils font une petite fête, ou je sais pas. Ah, mais voilà, Sigurd. Espèce de fourbe. On va aller parler tranquillou au roi. Il a l'air d'être là-bas. Pendant que Sigurd ne regarde pas. Nous rencontrons à nouveau. Alors, j'ai besoin de vous parler à propos de Sigurd. Un sujet délicat à propos duquel je ne veux pas parler, mais j'ai entendu parler de vous. Votre renom vous précède. Alors ça m'a bien servi de, je pense, de développer un petit peu mon renom avant de continuer la quête. Suivez-moi jusqu'à un bosquet proche. Quittez. J'ai amené Brunhilde et Bodo. Ils sont dignes de confiance. Ah, ils commencent à s'énerver déjà. Donc je raconte que j'ai été attaqué sur mon bateau par des vikings de Sven Bulnek, un homme de Sigurd. Il a l'air déçu, rien de spécial. Beaucoup de jarls au Danemark, des hommes qui se font vikings. Choisissez vos mots. Attentive avec soin, ou cette conversation est finie. Ouh là là, il faut que je fasse gaffe. Sven Bulnek a capturé ma mère et il a amené à Sigurd. Je pense pas que ça va l'intéresser que je lui dise ça. Sigurd a essayé de faire le Jarl de Kenmer roi de Frise en échange d'une armée. Bof. Mon compagnon Bodo a quelque chose d'important. Le King d'Asturias. Que Sigurd voulait, ça pourrait être pas mal parce qu'il y a la guerre hein, qui est en jeu ici. Sven Bulnek a une cachette près de Rib. Ça n'intéressera pas. Je pense que si je cite le roi d'Assyria, ce sera beaucoup mieux avec Bodo. On va dire ça. Bodo va s'expliquer. Mon nom est Bodo Vimaranis de Malacoria, en Cantabria. Ah, j'étais envoyé au nord avec un présent pour Ethelred, le roi de la West Saxe. Tiens, intéressant. Ce présent et moi étions la raison pour laquelle Sven Bulnek a attaqué le Wodenric. Sigurd veut se présenter pour lui-même parce qu'il veut être roi du Danemark. Et oui, et ça va énerver sans doute le roi ici. Il est remonté à moins 4, énorme, on est copains maintenant. Comment un cadeau pourrait lui donner mon trône? Il peut unifier, donc Sigurd peut unifier les Danois parce que le cadeau que j'ai amené était l'épée de Ragnar Lodbrok, fils Bjorn Ironside et Aesten l'ont perdu quand une flotte musulmane les a défaits au sud de Al-Andalus.
Deuxième. L'épée était un don à mon roi, Dibodo, fait par un émir. D'accord, tout ça pour faire plaisir au roi de West Saxe, qui est mon ami d'ailleurs, enfin pas vraiment mon ami, mais il m'est favorable maintenant. Ragnar était plus qu'un homme, dit le roi Auric. Les Skalds le révèrent comme un dieu. Ok, blablabla. L'épée de Ragnar doit être détruite avant que personne, avant que quelqu'un sache qu'elle existe, tiens. Ouais, c'est ça, il veut éviter que Sigurd porte l'épée jusqu'à l'assemblée. Et donc qu'il soit décidé qu'il soit roi. Alors Brunhilde a l'air de vouloir dire quelque chose. Allez, je vais la laisser parler. Ça pourrait être pas mal de dire ça, mais je pourrais aussi être tout à fait faire une grosse grosse couille en disant ça, donc on va la laisser parler. Maintenant, on est de nouveaux copains, ça c'est bien. Mon roi. C'est moi qui ai dit à mes compagnons de venir vous voir avant de parler à Sigurd. Je sais que c'est un homme dangereux et j'ai servi dans la maison du Jarl de Kenmer. Nous demandons votre protection et votre support pour notre cause, parce que Ulf Konisksson, la mère de Ulf Konisksson, est dans les mains de Sigurd Snakendie et de Sven Bulnek. Ok, on est redevenu une relation normale avec le roi. Tout se passe bien pour l'instant, je pense que j'ai choisi le bon dialogue. Vous avez mon soutien. Mais je veux l'épée de Ragnar. Sigurd ne vous tuera pas. Allez lui parler. Si vous avez besoin, dites-lui que vous êtes sous ma protection. C'est important que vous réussissiez à me donner l'épée. Je m'en fiche si vous avez que vous ayez à la voler, mais amenez-la moi. Maintenant, je dois y aller. D'autres choses à faire. Bodo, attrape votre bras. Ulf Konisksson, j'ai menti au roi. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Tout est vrai, sauf l'existence de l'épée. Ah d'accord, il a complètement menti, oui, ce Bodo. Alors, je sais que le Danois accorde beaucoup d'importance à tout ce qui a à voir avec Ragnar. Il est trop malin, ce Bodo. Et j'ai utilisé ça. C'était un risque, mais nous avions besoin du roi à nos côtés. J'espère que vous comprenez. Oui, mais sauf que ça a causé problème après. Hein. Enfin bon. Plus important, c'est de trouver la maman. Donc, ok, très bien. Je vais plutôt le remercier. Il a bien joué son jeu. Brunhilde n'est pas d'accord. Oui, mais enfin là, on a quand même la vie de la maman qui est en jeu. Hein, donc. On peut se permettre un petit mensonge. Je suis un homme honorable. Bodo est vexé apparemment. Il va me raconter tous ses faits d'armes très honorables. Oui, Bodo, tout à fait, mais je te comprends. Transporter une lettre scellée par mon roi lui-même pour le roi de West Saxe. Lettre d'alliance. En fait, c'est une bête lettre, hein, qui est entre les mains de Sigurd. Bon. Alors nous devons nous dépêcher. Nous parlerons de votre mission plus tard, Bodo. Oui, parce que moi en plus je suis lié un petit peu à la Saxe de l'Ouest maintenant, la West Saxe. Alors ce qui est bien, c'est que je suis justement, de toute façon, Sigurd est là, donc je peux retourner. Hop. Va directement lui parler. Ils ont un petit peu bougé, il s'est mis là maintenant. Sigurd, il a l'air de parler. Je ne suis pas un homme ordinaire, j'ai le support du roi Auric. Bon, on va peut-être pas commencer comme ça.
y a pas trop le choix. Ça y est, il me déteste. Alors, il vous regarde avec attention. Bien sûr que je connais votre nom, Ulf Konigsson. Je pense que quand on entend ce nom, on l'oublie pas. Alors, l'homme qui devait tuer le roi Rorik Emilsson et nous aider à prendre la Frise. Ulf Konigsson est un traître, a dit le jarl Rodulf Haraldsson. Eh oui, j'ai protégé Dokinga et j'ai tué les Vikings de Sven. Quand vous le voyez, tuez-le, on lui a dit. Vous êtes peut-être trop fier, trop présomptueux de venir vous présenter devant moi. Les problèmes n'ont pas de rapport avec vous. Je vais trouver Sven Bulnek et ma mère. Je suis pas loyal pour sa cause, non, pas du tout. On va dire le premier. Vous pouvez être aussi stupide, Sven. Vous n'êtes pas n'importe quel homme, mais mon favori. Dégagez maintenant. Ne faites pas confiance, je comprends, mais il est très important pour moi de voir ma mère. Votre mère est la femme touchée par les dieux. Oui, Sven l'a amenée à moi. Elle transportait un objet, une lettre. Devait être interceptée. Je lui ai parlé. Elle a parlé d'un homme appelé Bodo, qui lui avait donné la lettre, sur un bateau appelé le Wodenrick. Est-ce que vous reconnaissez ce nom? Je vais mentir, hein, on va pas mettre en danger Bodo. Bodo est content, Sigurd n'est pas content. Mensonge, pourquoi mentez-vous? Ouais. Bodo est très important pour moi. Sven a fait l'erreur de le laisser dans son repère. Bodo est si important que je voudrais l'échanger contre Sven Bulnek et votre mère. Ah ben. Ah non, impossible que je vende Bodo, ce serait vraiment dégueulasse. Je sais pas où Bodo se trouve. Je suis trop vieux pour avaler vos mensonges. Il y a une ferme près de Skifa qui appartient à un homme qui m'est loyal. Allez-y, Sven Bulnek et votre mère vont vous rencontrer là. Si Bodo est là aussi, mes hommes vont faire l'échange. Alors là, j'y crois pas une seconde, bien sûr qu'il va envoyer. Il vient de dire que c'était son favori, et puis il va l'échanger contre Bodo, alors qu'il aurait pu simplement dire qu'il allait me rendre ma mère contre Bodo, donc j'y crois pas du tout. Il va falloir être plus malin que lui et mener une attaque là-bas. Bien sûr, mais quel serpent celui-là. En tout cas, il est malin. Très bien, on va quitter le jeu là. Je vais faire une pause. On va arrêter la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pas beaucoup de combats, beaucoup de parlotte parce que j'avance sur la branche principale de l'histoire. Et dans la prochaine vidéo, on ira voir cette ferme. On ira essayer de trouver un moyen de libérer la maman sans livrer Bodo, ce qui serait vraiment tout à fait déshonorant pour moi, pour Ulf Konigsson. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut.